aspect de malade. Je vois, je dis, non, pour dire vrai, sincèrement parlant, parce que j'ai des mecs qui tout est beau rêve d'en voyant rien à dire. Là. Le gars est d'abord debout, tu respectes, je sais pas. En tout cas, quant à moi, c'est l'homme idéal. J'ai trop hâte de voir comment notre date va se passer. Vivez le paradis sur terre grâce à l'offre 360 chic et premium de Convivium Home, du grand luxe dans nos appartements et studios meublés. Sentez-vous à la maison, dans nos chambres et suites royales. Une salle de fête entièrement équipée d'un matériel à la pointe, complètement modulable, d'une capacité de plus de 400 places. Cet espace est également à la mesure de vos séminaires et conférences corporate au standing. La signature Convivium Home, c'est aussi son restaurant, des saveurs locales, une cuisine internationale pour un service de classe mondiale, notre piscine et le lounge club de vos rêves. Comment tu te sens? D'habitude, tu es plus vive que ça. Je sais que tu es très content de me revoir. Et moi, je suis très contente de te revoir. Tu sais, je vais pas trop tarder, non? Je veux savoir pourquoi tu m'as menti à propos de ta famille. Et aussi, c'est pas seulement moi que tu as menti. Tu as aussi menti à tous ceux qui nous regardaient. Donc explique-moi, je veux comprendre. Tout d'abord, je tiens à m'excuser au sujet de ma famille. Écoute, tu n'as pas à t'excuser, tu vois. Ils n'ont fait que te protéger. Chose qui est normale. Tu as compris. Donc, je comprends. Oui, je sais, mais... c'est de l'histoire ancienne. Et je voulais que tu comprennes que si j'ai fait ça, c'est parce que je voulais pas recevoir les critiques qu'ont reçues Chanel. Tu sais, je suis une personne qui n'assume pas sa position. C'est-à-dire que ma famille a toujours le dessus de ma vie. Ils aiment se mêler de ma vie et donner leur avis. Et maintenant, j'ai grandi. D'où j'ai décidé de venir me présenter à l'émission sans leur en parler. Et parce que je sais que je vais vraiment vivre ma vie avec toi. Un homme qui me plaît. Je t'aime beaucoup, Bob. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais je tiens à préciser ici que personnellement, je n'ai mis aucune pression sur elle pour quoi que ce soit. Ou alors pour lui demander de modifier sa relation avec les membres de sa famille. Non. Donc si elle a décidé de faire quelque chose, c'était de son plein gré. Je t'aime beaucoup, Bob. Je t'aime aussi. Attends, tu viens de dire que tu m'aimes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dû reprendre sans réfléchir, désolé. Ok. Une question, s'il te plaît.